pharaohs of this dynasty. Qui s'appelle Thutmose III. Who were called Thutmose the Third. Yeah. Avait conquis 111 États. Conquered 111 states in all. Il les avait conquis pour les et qui étaient entrés dans et les a intégrés dans l'empire égyptien. And they made them part of the Egyptian Empire. Ici, vous voyez Ramsès II et un Tutsi. La parenté est frappante aussi entre la coiffure du pharaon, la coiffure du Tutsi et le casque du pharaon. Here you have Ramses II and a Tutsi warrior. It's remarkable the similarity between the Tutsi's hairdo and the helmet worn by the pharaoh. Or, ce pharaon est encore un des plus prestigieux justement de toute l'histoire égyptienne. He is certainly one of the most prestigious of the Egyptian pharaohs. Vous voyez que des deux côtés, vous n'avez que la même réalité africaine, la même réalité anthropologique africaine. And you see the same reality, anthropological reality, that is African, the similarities between the two. Aussi, ça c'est Mentuhotep premier. Aussi, vous voyez, il est noir. You can see another pharaoh who is also black. Typiquement. Typical of that time. Donc, c'est le fondateur de la 11e dynastie. This is the founder of the 11th dynasty. La ville de Thèbes lui a voué un culte pendant 1000 ans. For some 1,000 years, the city of Thebes in Upper Egypt worshipped this pharaoh. Ici aussi, vous voyez un peuple qui représente ces dieux en couleur noire. C'est Osiris qui est toujours représenté sous les traits d'un homme noir. Here you see representation of one people who always indicated their gods to be black, of skin color. Ici, vous avez Akhenaton, le premier prophète qui a dit que Dieu est un, l'inventeur du monothéisme. This is the inventor of monotheism. Yes. Mm-hmm. The donc, first to say that there was one God. Oui. C'est justement le pharaon qui a dit pour la première fois que Dieu est un et qu'on ne doit pas le représenter par une image. This is the first pharaoh to say that there is one God and that he must not be, that God must not be represented by images. Il était avant Moïse. He was before Moïse. Moses. La Bible n'existait pas encore. There was no Bible, not yet. À cette époque-là, la pensée religieuse encore, vous voyez, est partie de l'Afrique. C'est l'Afrique qui a initié la religion monothéiste. And so it is even Africa that is the origin of monotheistic religion as well. Vous voyez, ce pharaon avait 6 filles avec la reine Nefertari. This pharaoh had 6 daughters with his queen Nefertari. Alors, une des filles est sur les genoux de la reine. One of the daughters is in the lap of the queen. Je l'ai reproduit dans l'image suivante, vous allez la voir. Hein? You'll see her again in la the... voilà, that's vous right. Voyez, sur les genoux de sa mère. Regardez comme elle est typiquement africaine. See how she is typically African. Avec la coiffure totémique. Un Africain sait que cette coiffure est totémique. Mm. And an African would know that this is a totemic hairdo. Et je l'ai comparé avec un Mangbetu, qui est la femme d'une tribu africaine actuelle, pour la déformation du crâne. I have compared her with one of the African tribes that is known for the forming of the of the skull. Yeah. Ici, ça, j'ai pris une publication de la revue de Ivan Van Sertima. This is taken from du professeur Finch. One of the reviews or journals of Dr. Van Sertima and Dr. Finch. J'avais ces reproductions, mais j'ai préféré les prendre dans les leurs parce que ces photos sont mieux rendues que certaines que j'ai.
I chose these because they are so much better done than others that I have. Vous voyez bien, la femme qui est à droite est la mère du pharaon que vous avez vu là tout à l'heure. C'est le pharaon Ikhnaton qui est à gauche et sa mère est à droite, la reine Thaï. This is the pharaoh on the left and this is his mother on the right. Her name is Thaï. Cette reine a joué un rôle prééminent dans la diplomatie de l'Égypte à cette époque. This woman had a preeminent role in diplomacy in Egypt at that time. Tous les rois dont je vous ai parlé, tous les rois télés là dont je vous ai parlé tout à l'heure, que l'Égypte avait conquis sous la 18e dynastie. All of the kings that I have spoken to you about, who made their conquests up to the sous la dynastie précédente. In the previous dynasty. Oui. Donc écrivez à cette femme. Wrote to this woman pour lui demander d'intervenir auprès de son fils to intervene in these matters with her son pour que le pharaon les fasse entrer dans ses grâces so that they could be in the good graces of this king. Mais, donc le pharaon était encore jeune. This pharaoh was still very young. Et c'est lui, donc vous voyez bien que la mère, cette femme-là est la mère du premier prophète de la terre. Et vous voyez bien, voici la mère qui est très africaine et voici le premier prophète lui-même aussi, le voilà. There you see this mother who is so typically African and then you see next to her also typically African, the first prophet of the world. Why is the history of Egypt so crucial to black people? What's at stake? Mais parce que, comme je l'ai souvent dit, la civilisation égyptienne, d'après tout ce que je viens de vous montrer, a joué le même rôle que la civilisation vis-à-vis de l'Afrique, que la civilisation gréco-romaine vis-à-vis de l'Occident. Because Egyptian civilization played the same role for Africa that the Greco-Roman civilizations played for the Western civilization. Et donc, si nous voulons recréer un corps de science humaine en Afrique, il nous faut repartir de l'Égypte. If we are to create a body of the humans of social sciences, Egypte. Then we must part as, take as a point of departure Egypt. Renouer avec les antiquités égyptiennes. Tied to ancient Egypt. C'est la seule façon, comme je le dis souvent, de réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire. It's the only way to reconcile African civilizations with history. What would you say to the black parent who is satisfied with his or her child learning only European or white history? Non, il faut apprendre l'histoire des autres, mais il faut se connaître d'abord. It's fine to learn the history of others, but you must know your own self first. Sinon, un peuple qui perd la mémoire historique est devenu un peuple fragile. If a people forgets its historical memory or loses its historical memory, it becomes a very fragile people. Il se désagrège. C'est la conscience historique qui nous permet de rester un peuple fort. They regress, and it is that historical memory which permits them to be a strong people. C'est pour ça que même dans la diaspora, cette conscience doit être vivifiée. Il faut que ce lien continue d'exister où que nous soyons. Even in the diaspora, these ties must remain. Ceci ne va pas à l'encontre des lois des différents États dans lesquels nous vivons aujourd'hui. This can only help us make it and make our lives better in the various countries in which we live. La plénitude culturelle doit faciliter la fraternisation des races. The fullness of our culture will help us in finding or seeking the fraternity among races that we must have in this world.